Salut à vous amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau love pour vous. Capri en signe solaire, ascendant et lunaire du zodiaque, vous êtes concerné par cette guidance. Alors je rappelle que ce qui va ressortir dans ce tirage est intemporel, d'accord? Ça ne correspond pas à une période spécifique de temps donné, à moins qu'apparaissent dans le tirage des marqueurs de temps permettant de situer les événements. Ok, on parle de tout ce qui est émotionnel, ça peut être sentimental, mais c'est pas obligatoire, d'accord? On parle des émotions qui vous traversent ces temps-ci. Capri en signe solaire, ascendant et lunaire du zodiaque, vous êtes concerné par ce tirage, donc on y va. Énergie sentimentale intemporelle. Alors, une dernière chose, ce qui est évoqué ici reste du domaine du général, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous la vidéo. Vous commencez à savoir comment ça marche. Allez, on y va. Voilà ce que nous avons à la coupe. Je sais pas si on voit bien. Attendez, hop. Voilà ce qu'on a à la coupe pour vous, ami Capri. Tirage sentimental intemporel. On y va. Allez, Capricorne. Énergie sentimentale intemporelle pour les Capricornes. Signe solaire. Ascendant lunaire du zodiaque. Tirage sentimental intemporel Capricorne. Tirage émotionnel pour les Capricornes. Signe solaire ascendant lunaire du zodiaque. Sentimental intemporel, on y va. Eh ben dis donc, on a beaucoup de végétation dans cette première énergie. Bon, il se peut qu'il y ait des Capricornes du coup qui soient très nature. C'était la petite blague du jour. Ok, on y va. Énergie 1, voilà ce que nous avons. Alors, on nous parle ici d'une progression. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en phase d'évolution, de faire évoluer quelque chose. Alors ça peut être par rapport à votre vie sentimentale, amoureuse, peut-être faire évoluer une fréquentation en une union véritable, une union véritable, en un couple véritable, un début de vie à deux, pourquoi pas, un début de vie en commun, pourquoi pas. Après, on parle vraiment de manière plus large, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous construisez quelque chose, ami Capricorne, c'est-à-dire que vous partez de rien, puis peu à peu, l'arbre fait pousser de nouvelles feuilles. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une chronologie en plus, ça qui est intéressant. Attendez, hop. Donc, première étape, hop, il n'y a rien. On part de néant, on part de zéro, tout est à refaire, tout est à construire. Ok, donc peut-être une certaine insatisfaction aussi qui va avec. Une certaine frustration, on se dit voilà, il n'y a rien qui m'enchante, il n'y a rien qui me satisfait, je n'arrive à rien construire. Ça, c'est le début, c'est de là où vous venez. Et on voit en fait que petit à petit, bah, les feuilles vont grandir, vont se développer sur cet arbre. Mais avant que cet arbre ne soit vigoureux, en quelque sorte, donne de belles feuilles, des feuilles en pleine santé, pleines de vie, etc. C'est comme si, en fait, il était nécessaire, si vous voulez, ah, je me souviens même plus de l'ordre des cartes, c'est comme s'il était nécessaire de passer par une forme d'épuration. Donc il est possible ici que vous ayez fait récemment ou que vous ayez à faire, on est dans de l'intemporel, hein, du ménage avec la nécessité de se débarrasser de certaines situations de vie qui ne sont plus en adéquation avec vous. Le ménage peut-être par rapport à votre environnement social, en se disant voilà, telle ou telle personne est une personne toxique, je ne veux plus l'avoir dans ma vie. Quel que soit le domaine, hein, sentimentalement, peut-être amicalement, au niveau de la famille, pourquoi pas. Voilà, il y a cette nécessité d'abord d'épurer un petit peu les choses,
de faire en sorte que cet arbre, voilà, il soit nu, sans feuilles. Et à partir du moment, voilà, où on a cet arbre nu, sans feuilles, il est capable de se régénérer et de donner de nouvelles feuilles. Mais d'abord, on doit se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Il peut y avoir une difficulté ici à faire le deuil de quelque chose. C'est ce qu'on nous dit, hein, avec cette carte. C'est-à-dire, ici, on parle de phase, on parle de transition. C'est-à-dire, première phase, d'abord, je me débarrasse de ce qui n'a plus sa place dans ma vie. Et ce n'est qu'à la phase numéro 2, une fois que j'ai fait ce débarrassage, que de nouvelles feuilles peuvent pousser. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas validé la première étape, vous ne passez pas à l'étape 2. C'est comme dans un jeu vidéo, un petit peu. Donc voilà, on nous dit que c'est un processus qui peut prendre du temps, un processus d'épuration qui peut prendre du temps, mais que vous êtes en train de mettre en place, de développer quelque chose de nouveau. On a le printemps, on a l'été. Période de 6 mois, donc on a des marqueurs temporels. Donc cette épuration peut durer apparemment, pourquoi pas, un semestre, d'accord? Ça peut aller jusqu'à 6 mois, cette nécessité, voilà, de faire le ménage et le temps que prend justement cette épuration et ce nouveau départ de vie, ça peut durer toute la période printanière à venir et toute la période estivale. On nous parle ici d'un projet en gestation que vous avez. Dans le cas où ce tirage parlerait au niveau sentimental, cette carte peut représenter le fait de tomber enceinte, peut-être attendre un bébé, vouloir des enfants, pourquoi pas accoucher. Peut-être un accouchement qui serait prévu au printemps-été pour certains, certaines. Après, on est plus au sens figuré, c'est-à-dire accoucher d'un nouveau soi-même ici, accoucher d'une nouvelle énergie. D'accord? On se projette, on prépare le terrain pour un nouveau départ ici. Cette énergie une est vraiment très très générale. Elle nous explique simplement la nécessité d'aller de l'avant, la nécessité de laisser derrière ce qui ne va plus, ce qui ne nous convient plus pour évoluer d'une manière beaucoup plus sereine et différente. Énergie 2. Bon, voilà, clairement, il y a cette idée de tristesse, il y a cette idée d'un arrêt radical, d'une clôture, d'une cessation, il y a l'idée d'un deuil et d'une tristesse liée à ce qu'on laisse derrière. Pour moi, ce nouveau départ-là, il est difficilement rendu possible dans la mesure, alors de manière temporaire bien sûr, dans la mesure où ici il y a un sacrifice qui est trop important pour vous, ou qui prend beaucoup de place. Et le fait en fait que ce sacrifice prenne beaucoup de place, si vous voulez, ça détériore un petit peu vos énergies. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à être serein, sereine par rapport à un nouveau départ ou à de nouvelles choses que vous pourrez mettre en place, puisque vous avez tout le temps le regard tourné vers ce que vous laissez, vers ce que vous n'avez plus, vers ce que vous n'aurez plus une fois que ce changement, cette transition aura été effectuée. Donc ici, en énergie 2, on nous explique en fait où réside le dysfonctionnement et pourquoi ça peut mettre du temps pour justement démarrer une nouvelle phase de vie. On nous dit, ok, tout changement nécessite de laisser quelqu'un, quelque chose derrière soi. Mais vous, en fait, vous êtes resté bloqué, vous avez fait une fixette sur ce que vous laissez derrière vous. Et c'est en ça que ça bloque le nouveau départ. C'est comme si, en fait, on vous disait. Ouais, c'est comme si, en fait, ouais, il fallait une clé. Il fallait une clé pour ouvrir cette nouvelle porte, mais cette clé, on vous la donne qu'à partir du moment où vous êtes serein et avec les idées claires par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de flou, en fait. Et quelque chose qui vous déstabilise par rapport à un arrêt. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce à quoi je mets fin est réellement ce à quoi je veux mettre fin? Est-ce que la manière dont j'y mets fin est la meilleure des manières pour y mettre fin, voyez? Ça peut être mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, à un lieu de vie. Je ne sais pas de quoi ça parle. On est dans un tirage émotionnel ici. Plus que sentimental, hein. D'ailleurs, on est dans les émotions que vous êtes amené à traverser. Là, il y a un équilibre à trouver par rapport à une peine que vous ressentez, une peine, une nostalgie. Mais cette peine, cette nostalgie peut être expliquée ici, peut trouver son origine dans la peur de l'inconnu, c'est-à-dire que s'accrocher, si vous voulez, à ce qu'il y avait avant est comme une sorte de bouée de sauvetage par rapport au fait de devoir affronter l'inconnu, d'accord? C'est-à-dire que vous voyez que vous êtes là par rapport à cette transition de vie. D'ailleurs, ça aurait pu être le noyau central. Vous voyez que vous êtes là-dedans dès lors que vous essayez de changer quelque chose. Vous vous dites, oh mon Dieu, le sol va s'écrouler sous mes pieds. Donc hop,
Qu'est-ce que je fais? Bah, instinct de survie, je retourne vers ce que je connais déjà et je me mets à regretter ce que j'avais déjà. Ou alors je fais un pas en avant, quatre pas en arrière, vous voyez? Il y a cette idée-là. Donc on vous dit en fait de trouver un juste équilibre entre d'abord d'ores et déjà entre vos pensées, c'est-à-dire ce que vous pensez être dangereux, menaçant et ce qu'il en est réellement, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a comment on perçoit les choses et ce qu'il en est réellement de la réalité. Moi, je pense qu'il y a un petit décalage entre les deux qui vous fait percevoir le monde et le changement et cette transition en l'occurrence de manière assez menaçante, alors que elle est plutôt à considérer, ce changement est à considérer comme un nouveau départ positif. On a cette carte de l'étranger en noyau central. Ça peut nous indiquer ici que cette transition est en lien avec une prise de distance, d'avec quelqu'un, d'avec une situation, d'avec quelque chose. Pourquoi pas changer de lieu de vie, un déménagement, une expatriation pour certains, certaines. Après, voilà, c'est globalement se détacher à la fois de cette peine, de ce qu'on laisse derrière, vraiment clôturer un chapitre et se dire, voilà, j'ai vécu telle ou telle chose, mais maintenant ça ne fait plus partie de ma vie, c'est derrière moi, je suis ouvert, ouverte à la nouveauté. Se détacher des pensées parasites, se distancier pardon, des fausses croyances et qui peut-être font rester dans bah, la croyance que tout va mal, que rien ne s'arrangera et que peut-être que tout est en train de s'effondrer. Voilà, il y a peut-être une vision un petit peu pessimiste aussi dans ce tirage, surtout en énergie 2 qui ressort, mais on vous dit justement de prendre du recul par rapport à tout ça, d'observer la situation en tant que spectateur et de ne pas trop vous impliquer émotionnellement pour justement toujours être maître de vos émotions et pouvoir agir en conséquence selon ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. C'est tout ce qu'on a, ami Capricorne. Alors, ce tirage ne décrit pas une situation de vie particulière. Je vous dis pas, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. On parle d'un état d'esprit, on est plus sur du développement personnel, ok? Si jamais vous vous ressentez dans ce que je dis, dans ce qui a été dit dans ce tirage et que vous souhaitez un approfondissement vous concernant, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye!